Je m'amuse! Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo Simone color Quoi et Révèle! Ben oui, aujourd'hui je veux vous montrer deux projets que je veux faire euh, euh, ces temps-ci, donc les jours à venir. Je vous montre tout de suite le livre dans lequel je veux travailler. Mythomorphia, Kirby -Rozan. Le Luna de Maria Troll. C'est un secret, je ne vous montre pas les pages. Ben non, c'est pas vrai. Ça, c'est pour Virgin Colo. <laughs> Donc ici. Oh, le cerbère. Et voilà! Le trio colo numéro 7 de Simone et Marilyn. Donc, j'ai travaillé fort. Ben, ça paraît pas. <laughs> Mais j'ai mis deux couches de gesso transparent. Donc, toujours avec mon pinceau appliqué au pinceau. Et ensuite, je passe le rouleau, tout simplement. Pourquoi deux couches? Bon, pourquoi pas? Là, j'ai le téléphone dans le front. Je me tasse au bas. OK, pourquoi deux couches? C'est parce que euh, moi, j'utilise, je retravaille beaucoup mon aquarelle. Je retatouille, je retatouille, donc je mouille beaucoup mon papier. Deux couches, ça m'évite d'avoir des endroits où il en manque et que ça traverse. C'est tout. Là, comme vous voyez, le papier est très rugueux. Donc, il me reste une dernière étape, c'est le polissage. Donc, j'utilise simplement un papier de verre à grain moyen et à grain fin et je vais venir sabler mes deux feuilles. C'est beau la vie de coloriste! <laughs> Donc voilà, je veux faire à l'aquarelle. Je ne sais pas si c'est au crayon aquarellable, à l'aquarelle comme telle, avec les Néo Color 2, avec les Gelato, avec les sticks, euh, les petits sticks, euh, les rouges à lèvres aquarela, aquarellables. Bref, je ne sais pas. Ici dans le Luna Petit tutoriel aujourd'hui. Oh! oh, 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 oh. oh, 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 oh. Les beaux champignons! Bon, ben oui, j'essaye de faire euh, un coloriage avec des couleurs naturelles. Oui! Donc, je vais vous montrer les illustrations que j'ai sorties sur Pinterest pour vraiment avoir les couleurs des fleurs, des champignons. Euh, Maria Troll nous écrit Versus l'illustration, quel animal! Et, pour, et dans l'illustration, donc l'animal ici et vous avez les fleurs. Donc, avec cette recherche-là sur Google, c'est facile de savoir exactement ce que nous avons à colorier et de voir également euh, sur les images, c'est de quelle couleur. Donc voilà. Euh, ce que j'ai le goût de vous montrer aujourd'hui, c'est les plantes. Le vert, les amis, le vert, c'est pas facile. Je pense que je vais me tasser par là. Il oh, faut que je règle ça, l'histoire de mon téléphone dans le front. C'est à venir. <laughs> oh là là, hein, on s'organise comme on peut. Euh, donc, le vert. J'ai sélectionné toutes mes couleurs Nioni avec la gamme de crayons Nioni. Et voici euh, les couleurs sélectionnées pour le coloriage. Là là, hein, quand on fait des couleurs réalistes, ça prend une peste de couleurs. Moi, sa première fois. Je vous mets ici les Nioni. Si vous ne savez pas ce qu'est les crayons de Nyonis, dans la description de vidéo, je vais vous mettre le lien des trois livres. Euh, non, j'ai dit deux livres et des crayons de couleur Nioni, voilà, que j'aime beaucoup. Donc, ça se présente comme ceci et comme cela. Grosse mine, euh, pas très dispendieux. J'aime beaucoup la construction. Ça va bien. C'est pas cher. Et ben, on peut les affiler comme on veut, hein, parce que, ben, ça coûte pas tant cher. Donc, moi, c'est ce que j'aime. Alors, on regarde tout de suite euh, l'effet feuille. Comment faire un effet feuille, à mon sens, réaliste. Le secret, selon moi, c'est de bien choisir ses couleurs. Donc, pour l'effet feuille, j'ai terminé cette feuille-ci. J'ai utilisé 3, quatre Couleur. Donc voilà mon secret. J'ai pris une couleur, un vert qui est juste ici. On va le regarder ensemble. Donc le vert juste ici. Ce vert-là. J'ai utilisé un olive que j'adore toujours mélanger avec mes feuilles. Et mes arbres, je trouve que le olive, ça va bien. Et on complète avec un brun. Bon. Là, l'objectif, les amis, c'est vraiment que euh, on voit des effets, euh, comment dire, tachetés sur les feuilles. Rien d'uniforme. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pris mon premier verre et je suis venue l'appliquer sur mes feuilles et j'ai laissé des espaces blancs. Ensuite. Je prends mon vert très flash et je viens le poser. Dans le fond, c'est vert. Est-ce qu'il y a un nom Il n'y a pas de nom. Donc, le numéro 045. Donc, je viens la poser aux endroits où la lumière frappe directement sur la feuille. Prochaine étape, je prends mon olive. Ma petite couleur, ma petite couleur olive numéro 48. Et je viens placer mon ombre avec le olive. Et là, je, je colore par-dessus les zones qui sont déjà coloriées. Et ici, je n'appuie pas fort. Là. Je veux vraiment voir les couleurs une au travers de l'autre. Donc, vous voyez que ça, ça l'applique beaucoup plus fortement quand il n'y a pas déjà de couleur. Quand je vais glisser sur l'autre, on voit que ça l'imprègne moins le papier. Et je complète avec mon brun ici à la base de la feuille. Et voilà. Et là, je peux m'amuser, les amis, comme on veut, à utiliser mon petit verre pâle pour venir replacer ma couleur par-dessus. Mon premier verre que j'ai utilisé, je peux venir mettre un petit effet à certains endroits de la feuille. Donc, c'est de cette façon-là, les amis, que je travaille les feuilles. Voilà! J'espère que vous avez apprécié le mini, 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 <laughs> mini tutoriel. Euh, on se replace et on fait une autre feuille ensemble. Donc, ici, nous avons la base de la feuille de colorier. Donc, ici, j'ai deux couleurs demi. Donc, j'ai mis mon vert pâle, juste ici, mon vert moyen. Je reprends mon olive et je le place où je veux. Donc là, cette fois-ci, mon olive, je veux l'avoir ici. J'appuie pas fort et j'embarque sur les autres couleurs. Je vais en mettre ici et je vais laisser un espace blanc, juste ici. Je termine avec mon brun, le numéro 100. Et vous voyez que ça l'accroche beaucoup sur la partie blanche. Et moins sur les parties colorées. Donc là je viens mettre à certains endroits, je reprends mon pâle, vert pâle, hop, et là je viens en appuyant, blender mes couleurs pour avoir un effet plus réaliste. Si cette feuille-là, je veux l'avoir plus pâle un petit peu parce que je trouve que. Oh, 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 les feuilles foncées, je reprends un vert intermédiaire et je viens le travailler ici. Voilà. Je reprends mon vert pâle et hop. Autre stratégie, on peut utiliser le blanc et le noir Prismacolor premier. Pour venir mettre un ombre plus creuse et une lumière. Donc, on y va sur cette feuille et ça va compléter ce petit tutoriel. Bon, là, j'ai mon blanc, j'ai pas mon noir, j'ai mon noir ici. Yeah! Donc, on y va. Mon blanc, je veux ici pâlir un petit peu le bout de la feuille et venir foncer le joint ici. Je veux que la feuille elle tourne un peu. Je veux avoir un mouvement dans la feuille. Je viens blender avec mon brun. Je trouve que c'est un peu foncé. Je reprends mon pâle et je viens réadoucir timide, timidement <laughs> le tout. Belle feuille. J'ai dépassé. Oh là là, Maria Troll, c'est petit, les. Les choses à colorier, je n'aime pas colorier avec des crayons très affilés, donc j'ai un peu de difficulté. C'est mon secret de la journée. <laughs> Maria Troll, c'est difficile pour moi. Autre chose que je voulais vous dire, je vais maintenant créer à partir de là, là. Je vous publie la vidéo et je crée tout de suite un groupe de discussion Instagram sur Simone Color. Bon, si vous ne me connaissez pas, évidemment, je vous suggère de vous abonner. Et euh, le groupe de discussion, ben, ça va être juste les gens qui ont le goût euh, de colorier ensemble, de se parler, d'avoir des copains, copines, euh, quelque chose de simple. c'est pas euh, Ça ne fait pas partie du trio colo. Évidemment, je vous remets les deux affichettes de trio colo. Tiens, tant qu'on en, en reparlé, ça. C'est mon petit secret. Chut, chut, chut. Marilyn ne sera pas contente de savoir ça, je le sais! Mais on est beaucoup à avoir fini le Cerbère, et voilà. Je vous mets également le Mythomorphia, le Cerbère, jusqu'au 15 novembre. Donc, n'oubliez pas, regardez bien sur les petites affichettes, hop, dans le bas, sur les deux côtés. Vous avez l'information pour nous partager euh, les, vos coloriages. Si vous voulez les voir dans une vidéo YouTube... C'est important de l'envoyer par courriel. Voilà! Donc, pour les affichettes, groupe de Simone Collard, bien, euh, c'est un groupe privé. Donc, ce n'est pas ouvert à tous. C'est vraiment un groupe qui est barré. Moi, je vais rentrer quelques copines que j'ai déjà qui m'ont signifié leur intention de rester dans le groupe. N'oubliez pas que vous pouvez sortir du groupe n'importe quand. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour rentrer, euh, je vais faire une petite enquête, les amis. Oui! Je vais aller voir votre compte Instagram pour vérifier que vous êtes bien une coloriste. Donc, ce n'est pas une grosse vérification. Je veux juste m'assurer que vous euh, coloriez <laughs> parce que je ne veux pas de personnes qui viennent euh, se trouver des conjoints, conjointes ou autres sur le groupe. Donc, ça va être un groupe qui va être ouvert et pour tout le temps. Donc, il n'y a pas euh, de question de fermer le groupe pour une raison euh, ou l'autre. Par contre, je travaille sur un projet pour avoir une plateforme plus euh, intéressante que Instagram pour discuter. Donc, ça va être vraiment... Euh, là, je regarde pour la plateforme Discord. Donc, j'ai créé mon salon. Il faut que j'étudie tout ça, là, mais là, j'ai pas le temps. Donc, pour l'instant, on y va avec Instagram, les amis. Euh, vous voulez colorier, discuter avec des amis, être positif dans vos échanges? Simone Color est là. Donc, sur ce, je vous dis... Bon colo à tous et à toutes. Ah oui, puis en passant, dernier secret. Mon petit coloriage ici, là. Ah, oh, c'est petit, hein? Et belle, par exemple. Donc, ce colo-là, c'est pour la battle de ma copine Colorfila du mois de novembre. Je me représente avec ma copine Mélissa Colo. Donc, là, vous allez pouvoir voir la fin de ce coloriage-là et le colo de ma binôme également, Mélissa. Moi, j'adore voir les deux illustrations côte à côte dans l'affichette pour la Coloring Battle de Colorfila. Donc, sur ça, je vous dis bon colo à tous et à toutes. On se revoit dans une prochaine vidéo.